Si vous souhaitez soutenir DM Gaming, n'hésitez pas à visiter le site de notre sponsor en utilisant le coupon DM Gaming sur n'importe quel jeu. Et salut camarades, je vais vous présenter les nouveaux morts uniques de Diablo 2 Resurrected qui seront donc exclusifs à la saison 3. Je vais commencer par les 5 nouveaux morts uniques de résistance dans les casques parce qu'il y en a 5, un pour chaque type de résistance sauf magie, donc poison, feu, foudre, froid et physique. Et vous devrez mettre donc une Shael, une Yo, puis ensuite soit une Horde, une Tal, une râle, une tulle ou une seule pour le physique. Vous allez avoir des réductions de dégâts par rapport à l'élément considéré, donc par exemple sur le froid, de la résistance au froid et aussi de l'absorption, donc ça pourrait être assez intéressant pour la partie leveling, sachant que les résistances physiques sont aussi assez intéressantes, donc 15% de réduction physique sur le casque. Pour tout ce qui est personnage au corps à corps en prise de niveau, c'est assez intéressant. Par contre, si vous êtes plutôt lanceur de sorts, orientez-vous sur l'or, donc horde plus seul pour avoir plus 1 aux compétences. On a ensuite un mort unique qui va pouvoir être fait soit sur les épées, soit sur l'armure, donc avec Shael Co-Held, avec une arme qui donne de la vitesse d'attaque, des dégâts et surtout une chance d'avoir rapidité en touchant, donc assez intéressant pour tout ce qui va être leveling, début de l'enfer, avant d'avoir des morts uniques plus intéressants comme grief, etc. L'armure quant à elle va vous donner énormément de vitesse de déplacement, par contre attention elle ne donne pas de résistance comparée à une écran de fumée qui elle va donner énormément de résistance, ce qui peut être très intéressant en phase de leveling. On a ensuite Mosaïque, Malgultul pour l'assassin qui va permettre de donner une chance de ne pas consommer votre charge de combo lorsque vous la libérez. Je rappelle que pour l'assassin arts martiaux, vous allez à chaque fois accumuler des stacks jusque 3 et lorsque vous utilisez un combo, ça fait un effet et vous perdez une charge. Avant vous perdiez l'intégralité des charges, maintenant vous perdez qu'une seule charge et vous aurez une chance de ne pas perdre cette charge. Les statistiques sont environ similaires à Bartuk, mais c'est vraiment cet ajout qui est très intéressant. Pour finir, on a un nouveau casque pour les métamorphes, que vous soyez druide loup ou ours, celui-ci remplacera forcément Jalal parce qu'il est très intéressant et notamment va vous donner un buff lorsque vous tapez. A noter aussi que vous serez immunisé au gel directement avec ce casque parce qu'il y a une chame dedans et on n'aura donc pas besoin de mettre un corbeau gelé. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à indiquer ce que vous pensez de ces nouveaux morts uniques dans les commentaires et n'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité du contenu sur le site DM Gaming, que ce soit sur Diablo 2 Resurrected ou tous nos autres jeux.